Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si je suis là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dokari sar ambassade de Comore wakati kao yambassade inu linu dawla Comore yintihatu irengo otage ni Asmani Azali yintihatu ngeploche unge tuzo adabu yintihatu tizio tinti kao ntialadi mwado helezizi wa hawado jeleziza o harme periodi inu nga bo conférence ya de financement ya les pays africains concernant le vaccin. Il y a un peu de temps conférencier. La honte. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu wa wastahiki koja kamjo ikao wakao ulindwa ne Faransa kwa jona babanu wa ulala wakati kao wala si wa ne Faransa wajawa huo kwa chihundu wanu watona wa ulala wazungwa mba sando misil fix no mba sinema sando misil fix wajihundu harima namba bahanu wakubaliwa usikuwaja na uharime 14e arrondissement ye 4e arrondissement samahani wabanda mbabi yabo usikuwa husha wambio za huka na mfungeze bagaji mrohe wakati kao kamsi wandu wakaya alimlazeni habori juwa wazila tartimunziru wazila wa masiwani hanyu hazila tartimunziru ikawu mizu na wakumori uwezigashio habunge gala adhima msahibanu mwede wa trezi itwa habari zambao waruliwaru hangu wa zunguli yao mbabanu wa trezi itwa habunge batu rikawu jwa buharima ye ledahulatu linu jirambia wakumori wadoju weza hoka ya mvula na wola madama kajalaha horoha madama kajalali kwa wamjo hahehunu shahaka ujivu mbiha abu haja hunu mbabanu ya ladhimu ii wanu wakaye kati yavo wanu ya ladhimu ya kenda inao kwa tinda una he juku ngarima mbioneza hukaya ho denose zenogozinu ho onese wanu waloho masiwanu kaya mvulana wola wala katina malaliko ya fanyili wayo katina babanu ikawo ngukurubishiwa ngiyo muhimu mzijue yode mane kawo rikawo tigalo harimole daholinu rejele mbioneoka ya masihu ya lelo ya pamujo reje hunu hundi wajo jaya lale hukaze loteli zonti pia ngurefizewa na gari aminio gari aminio kaya wakomore nga mziju wawo. Gari aminio kaya wakomore nga mziju wawo ze degazi jihundawo yeke mvula na wila hanjabani. Mwono ze ajali yari tsongeza zari hundawo sikuwa jana. Wanashu watu wa hili na mwanja si mzima. Haka ajali wa rengwa wendewa ya hantiwa harimazifungo ya mzima ngebanu wa sango harimovumzi. Mwono ze ka ajali na hindi ya ka ajali za negozo za kaujiri. Abungari kaujua babani banu. Rejeri denose. Limambia ni wakomori. Hena mahalini kaundo mlio. Ukabo embwa na hila yalisa jana. Yerudi iju hawa sikuwa lelo. Yajuji hundawa sikuwa maudu tena. Insha Allah irudi juhunde le 22. Mpaka eba na woi. Habakuhu kahamanyu. Habakuhu katunwa. Mpaka enti hatu rejeri namna ya kaya. Kamni kumana meparoli bahini fumembabi. Kendo lindeji. Assalamu alaikum. Wala tiwono video ya fanyande msaidie lelo. Akorongo ambakaza li hajange Faransa ni garima conference na boye video ngi obanu ya he salle de conference na bo karjamona ingam jeliza ujo jumale soleil o pade wa he ya enti pro naibu okaye
aibu yele enti ukaya e list definitive yala wa elize yahe wandu wadimi examen wa ujao na mwe conference yahe ma dictateur azali katibu hari chazali hari wa repeche no aterepesha jiyo kaiti confirmer hari mwe ndi yati donc yole mana ata officiel kajare gole mana leo ya joye taha Sahonguba, Amia Kenti, donc Yantizinga Mania, Akeno Ibukuya Alliance, Okamba Mahalaliwa, and the Shaho Kakalaliwa Takatina Irisho Shokanti, Bahi, Namjuhe, Baitizinga Mania, Manu Kairi, Manu Ufukara, Kopa Mila, Halafu, Tuja Shakamba, and Nishan Dokati de Conferencio, Shakamba was running down to Jua. Shaka de Conferencio, Kati confirme. Mwana mshuwa hatu Fatima, wewe mungu ni mwandu wa rengwa jana, waru wa si, mkawa wa raru, wanashe hili mwaname mzima, wanashe mfungula jana, mwaname kufungula lelo. Ye, heli waonaye gardavia hau hiviriju? Hiviriju, etili masovaji ya Komoro, masovaji ya Komoro wao, ukwata, ukwa tujua tanrongo, ukwa tujua heli ya u, aketemru, ukwa tujua heli ya u, perquisitione rongo, ukwa tujua tanrongo. À la fois, il y a un peu de temps, on va essayer de défendre. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu wa jibi wa dukuye kumpima ikaimba komori pasirwa ikai komori ya hachu ya rengwa ne nembeza wandu za kuzibi wanu washinda kufanya manango pashi yango ruhango ndio mala ni hunji ikashinda sibiringa example yeni sa jule bahani warenge example ndo ngonzima ndo nzima njema je ile kesenti ya hachu shaweni wa eni sa roha wasijuu beti ndio ambwe kamra roha kero roha rana ukansibure kamra roha msunda barungu njema mruka ibadia wongo ruhao shaa ubetiba hula siyo zinji na uramasima wachoma poshu niwa bali wendi zao doku ingebiju mshanje iye igarata viatu wama sete urakenda repose tukendara repose bae wale kata nungu urajomu kai hodo mba kaya hari walarika ufanya tiji tiji njini ya rikika upisho wana hatu nono ilarika wafanyili ya wawo invitation ila ya huo wanruwa guzibi ilarika wafanyili invitation ya huskwa jana ya huo mleti au ya huo pankeki au ye hindini ye mkata maji ye krepu walarika wafanyili ya wairopua. Merci beaucoup mon ami Chatou Fatima ngamtengule mon ami bana ni muzi sukaya ebanu ko riko jamanu jerende jibanu harmoni jimba l'ambassade ya Comore uskale boyinu wajelezo je wakatukaya azali ko lazim ka harma conference no katiyabu hakaba no butasi shahr di haroha ye riko jamanu jerende jiko jimu mananya sabana ewa bani andorele wa azali ajilali kavanu kaka lanikiwa ali ajuhuzu vanu kaka huzwa ajivinga ajahunu be ahuzama uri mtu mwizi au mtu ni atawao yani babo isengesa amba vanu wae asi yanu mwiso wae manda hikwela suwa kikisha mba wisi ili afend manda so manda le 26 mai iskop harmanfu mwane bavo akosha hunu mkina jenge semba waye ana marais wasalia wa Afrika kamila ri akaadhiri hau uraisi wa Senegali Macky Sall mfanye mwana intervention Macron akira ngia merci tu avata Macky Sall ona mnanaele wale otune are manager au ma Senegali wa mvuti ya ngano na majua yule alo zafanywa sedani nafua kwenye sambawanda kutara hakikishe Wakomori na mjue mbavasani uhara umuzu za ngao. Yani side Wakomori wa lazimu warie de wani ikaomba wana yezi ofisa wa lazimu warie. Bani aruma nafasi ya tulazimike mba wasa aruma linde didagula tu. Siri ya huja mana wa mavijili, mana wa tuera maseresi, mana wa tufayakaza. Yani, on est venu pour montrer qu'on n'a pas peur. Yani, si j'avais ni regressé en carcérie, na waswantu wao, wajavandu wariao, mono zozan parasenta livojana ile mwana anosi, wasalia aruaka waviri harma zi parkingi, wako shinzi wa aeroport mono wantu wa, yani
ikaomba wa kawasina zinafasi ni harma ikomor kamili nyangu itarehe ikomor kavaparoka yezi amba madhamana wa yezi yo wa jomwenzi alin wa harma uria maraia marahia amba walamu hamba wasileru wazungu karsuwa para wantu ukamba waisha ufanya na konferansi madhamana wako jovano ufanya na mabujilio wao usha waunu diaspora bevani zospara waninyatu ntijuwa ho nyangua ulao tautula zivani tautula wasu unu derengao irele na wasu unu mabeja wa sistare shiza batushu kahore nirase diyo babo senye samantuani karsuaria na vani lindi lagolatu senotro mezo olewa ujar tuja kakula siku ikomba rejivu wa urtamani tahungia tujua ringia rejivu wa naratamani be babo vani nikawa zama hoho wasifto baki vani na fazifto nombari sibaki na huwa zunguha utuwa zunguha ruwapara mana wananyatu wasi lunga resistansi tumezi wananyatu wali onzuwa nwalunge resistansi yani nyanguzi activities faiso nikaza jurumoro nikaza kufanyantronko haruma mwezi 25 mwezi 26 nikarme komor kamili wananyatu na mlamuhe wasu unu urlamuha msone bakarsiria wa waninyaturi Fatuma na Nashida na Barufu Barufu wae akubulu wadileo suwani Fatuma yengesa ushuzi wae ajavani nasi sayi samba unu yani sharia sho yani ustahiwa madma wabu wasi raharma dafuiza kizatu nasi simia waninyatu wali ukumori warunge watafuiza kizao mtukato juwa hususwa ni madhamana politiki wabaki mba usiri ya ujia shivani au wabaki mba usiri ya mba wevelia wantu watotua shivani mana vavo azali na wantu wae watoprofitu wa mtu ni mtu ikawo mba fano dhamana politiki yana sona amba kasta afanya shiva awa sona amba asiria hufanya ntongo borwa alishe nafasi uje mashuja uje wantu ikawo amba wawo wasijitu wafidia hahudafu ikomori hahudafu matuakuma rutipi. Marhaba minji kabla ya ujibuwe masuala mjo kwa ripoze yo gabjo isayeribe hembabi ya mesaje wa harima wa menyasi wa himabanu wa irenge haluga nyuto jina ya bonga rjo fane duro kawaida chers amis on sait très bien que notre pays est pris en otage ça fait déjà 2 années et on essaie de ramener de résumer un peu comme il y a des gens qui sont là et qui ne parlent même pas notre langue et qu'on essaie de partager pourquoi on est là. On est là parce que notre pays est pris en otage, ça fait deux années complètes. Il y a la violence, il y a les viols et personne ne dit rien. Et notre pays est complètement détruit économiquement et au niveau de la santé. Et ça nous torture encore beaucoup plus. Donc c'est une façon de dire, voilà, notre pays, il se fait vivre tout seul sans de pièces maîtresses, sans de pièces moteurs, sans des éléments moteurs qui essayent de tenir notre pays debout. Et là, en ce moment, le plus grave est commis encore une deuxième fois parce que il y a une conférence africaine de financement pour les problèmes sanitaires, des problèmes de santé, des problèmes de Covid-19 qui frappent le monde entier. Et puis des pays d'Afrique ont convié à une conférence de finances pour les pays d'Afrique concernant le vaccin. Notre pays n'a pas été convié à cette conférence. Comme notre pays n'a pas été convié à cette conférence, une dérapage encore de plus a été commis par le dictateur comorien Assoumani Azali. Il a essayé de faire une demande de repêchage pour qu'il soit repêché et venir assister à cette conférence. Donc ça nous a coûté encore l'image de notre pays. Ça nous a coûté encore la dignité, le respect de notre pays. Et du coup, quand on fait le constat,
Le gars, il est arrivé pour démolir notre pays, pour casser notre pays et pour ouvrir la porte aux violences, au viol, à l'agressivité. Et c'est une chose que nous n'acceptons pas. Et c'est pour cela qu'on se présente ici aujourd'hui et qu'on va continuer à se présenter devant cette ambassade et devant les institutions. Et on appelle aussi au peuple comorien de se rassembler demain au Champ de Mars pour aller se regrouper avec les pays d'Afrique qui sont dirigés par des dictateurs et aller dénoncer devant cette salle qu'il faut une conférence. Et du coup, nous demandons à tous de nous joindre et d'essayer de convaincre tout le monde d'assister. Et enfin, on a une marche comment ça s'appelle, le 22 mai. On va appeler tout le monde pour venir manifester le 22 mai. C'est pour cela qu'on est venu ici faire notre témoignage d'une manière pacifique et appeler à nos amis que ceci, on ne peut pas la tolérer. Voilà, je passe la parole à notre ami. C'est juste pour dire que voilà, le message ici, c'est de montrer que c'est quelqu'un qui est élu et qui a fait le mandat. Donc ce mandat finit le 26 mai. Donc c'était pour, comme il y a la résistance au pays, nous continuons la résistance ici. On a changé de. La peur doit changer de camp. Donc parle fort. On a rien fait de mal. Parle fort. Oui. C'était pour montrer détermination. Bonjour monsieur. La peur doit changer de camp. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de votre présence ici? Nous sommes comoriens, madame. Nous sommes comoriens, donc on a le droit d'être là. Je ne vous ai pas dit. Vous n'avez pas le droit, je vous demande quelle est la raison de votre présence. On est là pour passer un grand message pacifique à la population comorienne, qui se trouve ici en Europe, mais également celle qui se trouve aux Comores de l'intérieur. Donc voilà, pour montrer qu'on est solidaire avec ce qui se passe actuellement aux Comores, parce qu'il y a beaucoup de violence physique. Surtout, il y a aussi un problème politique, il faut aussi l'avouer. Donc c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui ici pour montrer notre solidarité auprès du peuple comorien. Donc c'est un regroupement totalement pacifique. Vous voyez, on n'a rien, on n'a pas d'armes, on n'a même pas de farine, on ne voit rien. Donc on se met juste devant notre ambassade et on échange avec notre population qui nous pose des questions. Nous, on leur répond, tout simplement. Vous êtes organisateur Non, pas du tout. Du tout. Ce n'est pas organisé, en fait. Non, du tout. C'est spontané, c'est vrai. Vous êtes combien là en tout? Je sais pas. Une dizaine, d'accord. Bon, vous voyez, la police est en train d'arriver, mais rien de méchant. Encore une fois, c'est un rassemblement totalement pacifique, on précise bien. On n'a pas d'œufs, on n'a pas de pierres, on n'a rien, d'accord? Donc on se met là, on a aussi le droit de se mettre là en réalité. Donc vous pouvez le constater, hein, depuis le départ on filme, hein, on n'a rien fait. Sans doute on va se prendre des amendes, mais on assume, mais il faut que la population comorienne puisse se réveiller un peu, comprenne que ce qu'on fait c'est pour eux avant tout, mais également pour nos enfants. Donc si on doit encore une fois partir au commissariat, ben, on est prêt, hein, clairement, mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'à là. On rajoute sur le fait qu'avant que mon ami qui vient d'arriver rajoute, on essaye de faire passer le message au peuple comorien que voilà, on est arrivé ici pacifiquement pour parler, pour expliquer, pour essayer de montrer à tous nos compatriotes que le Comore, ce n'est pas un pays violent, ce n'est pas un pays qui n'appartient à aucune violence. Les Comoriens, c'est des gens pacifiques, c'est des gens qui déclarent leurs droits dans le sens de du respect, dans le sens du respect de droit. Et quand on parle de tout ce qui se passe chez nous, on le parle avec le respect de toutes les institutions. Comme on est dans un pays de droits de l'homme, on a préféré venir s'exprimer pacifiquement avec le respect de droit. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour casser, parce que c'est notre ambassade. Et si demain Azali part avec son équipe, il y aura un autre président. Il sera le président du peuple comorien. Ça sera l'ambassade de notre pays. Et il n'y aura pas de problème de notre côté. Surtout choisi par les Comoriens. C'est un président qui sera choisi par les Comoriens. C'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer et pour essayer de tirer la sonnette d'alarme à tous les hommes d'État, à tous les hommes politiques de notre pays. Qui sache que la personne qui accède au poste de président de la République, s'il ne respecte pas les institutions, il ne respecte pas le peuple comorien, à chaque fois qu'il arrive dans le pays, on sera obligé de venir devant notre maison
pour dénoncer, pour contester, pour montrer qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas content de ce qui se passe chez nous. Mais nous, on refuse toujours la violence. On refuse toujours la violence. Au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple comorien qui sont violentés. C'est le peuple comorien qui sont violés. Ce sont les filles, les petites jeunes, les fillettes, ce n'est pas des filles, des fillettes de 5 ans, de 10 ans, de 11 ans, qui sont violées. Dont le procureur de la République, à l'heure actuelle, il emprisonne les innocents et il met en liberté les coupables. Deux jeunes coupables qui ont violé une jeune fille, la jeune fille qui s'appelle Kaina, la jeune fille qui s'appelle Faina, elle a été violée par deux jeunes. Et ces deux jeunes-là, ils étaient en garde à vue. Après la garde à vue élevée, ils sont mis en liberté. Et le jeune qui a dénoncé ce macabre, qui a dénoncé la tuerie, l'assassinat, qui a dénoncé le viol d'une fillette de 5 ans, actuellement, il est en prison. Donc, les assassinats, le viol, c'est nombreux, c'est innombrable. Donc, bon, moi, je m'arrête là parce que j'ai passé le message que je voulais passer. S'il y a un ami qui voulait prendre la parole, je laisse la parole, mais de la manière pacifique et comme on est toujours pacifiste. Je vous remercie. Nous sommes encerclés, comme vous le constatez. Encore une fois, c'est pas nouveau, on a l'habitude maintenant depuis deux ans d'être encerclé. Ah oui, aucun problème. Vas-y. Mais on assume. Un petit message pour notre... C'est parti. Mes chers compatriotes comoriens, comme vous le voyez, depuis hier, à l'arrivée du putschiste imposteur Azali Assoumani. Vous avez tout vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Qu'on a manifesté pacifiquement. Vous le savez bien que dans les règles de la démocratie, on est dans un pays de droit. La farine, les œufs, ce n'est pas un délit. Vous le savez très bien qu'on les a utilisés hier à l'aéroport. Mais là, aujourd'hui, on est devant notre ambassade pour manifester contre les injustices, contre la violence qui s'oppose dans notre pays. Puisque vous le savez très bien que depuis 2016, notre pays est pris en otage par un imposteur putschiste qui n'a jamais été élu par le peuple comorien. Mais, comme d'hab, en Afrique, il a volé les élections. À partir de ce moment-là, c'était commencé ici même, le 28 mars 2019. Lorsqu'on est rentré ici, en tant que des citoyens comoriens, pour montrer nos mécontentements contre le gouvernement illégitime qui s'est opposé, qui s'est imposé dans notre pays. On est retourné aujourd'hui pour dire stop. On en a assez. Le peuple comorien en souffre beaucoup. L'exemple s'est venu récemment. Une petite fillette de 5 ans, violé, enterré vivant, c'est qui le responsable? C'est le gouvernement. Puisque dans un pays, le pilier fondamental, c'est la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, c'est la dictature. Des années qui sont passées, depuis 1975 qu'on a pris notre indépendance, notre pays n'a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre actuellement. Des emprisonnements arbitraires. Imaginez-vous une femme, mère des enfants, enseignante. Nous prenons l'exemple de notre soeur Sabkia, Madame Zé, qu'elle était arrêtée pour une simple cause, puisqu'elle a mené une banderole en réclamant un état de droit. Est-ce que c'est un crime? Pas du tout, ce n'est pas un crime. Puisque c'est ça qu'on a besoin. C'est ça l'exemple qu'on prend dans certains pays comme la France, l'état des droits. Et ça, on ne le vit pas chez nous. Donc, on est à l'ambassade, notre maison. On est des Comoriens, des origines comoriens, pour montrer nos mécontentements contre cette barbarie, gouvernement illégitime, des imposteurs, des violeurs,
dictateur qui massacre notre pays. Disons stop. Et personne ne pourra jamais éteindre le soleil. Cela veut dire que personne ne pourra jamais nous interdire de nous manifester. Tant que ce régime illégitime soit sur place, on sera toujours debout jusqu'à nos dernières souffles. Et en finir, nous disons à bas la dictature, Azali dégage, puisque tu n'as jamais été et tu seras jamais le président des Comoriens. Merci. Monsieur Fahar, justement, à la veille du président poutchiste qui part de venir ici en France, il y a une vieue de la village de chez nous, ils sont la gorge, il est gorgé comme un cabri, la tête il est à part, la moitié il est à part, la justice il dit rien. Qu'est-ce que vous proposez sur ça? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa komori wa tukufu ma watani ya ikayao anina hamu nensi ya hatu wakanga wa ndotona hamu nga wa ndofeze roho wa tila waru wa rongo zao. Luka ekale lo mruha suguti hende bahanu ya renge manada mu isilamu komori hamanda ikayao remila ya hatu uro isilamu hatu kuturusu mwa malizo ya mposhe hitwa izo tabi ya ikayao mwa zionao ni madhoma na wahe enti ya hatu wa ifakuwa wa irenga haurahitwa wa zirendao za kadabili ndo ukangwa joa ya ukakabati ujua renda nungo hauka euro hitwa ngurudi hende halibi habu kuliwa habu lili hae ea udhulumiwa uondo ubaki kirisu wanroti pia ngwa joa ya uka sisi kartina nungo kaburu tuwa fila nungo za siyasa cha selumanite ndo ambao insani ya dubina damu ndo waribe ya banu ya uka bijuwa botansi Wandu rambaga bovoti, wandu warenge, wawua wandu wafu, wafungu wandu, wawasa watawa, warenga weze mali, wajifanya mazi ilano mwezafami, na ukanti na urilapisa. Yabo, kabati mba mahakama na abasa, kamra ulili wanku huambu, si haumba hindu, mrungu juho, hende hachitaki. Sisi, wananyasi mba ulawo hifa na izuzo mtipia, kabata tamba mdu idisao, amungi ya boi majeshi, nele sive ilo ilo ketuwa mbata marungo mdu wa madami. Suwa mahakama, suwa mga rituwa ufaike ipasarifu. Imanama mtukufu, nuwana shuwa angu wa zingara wa jana, nga mwanao, sasi rijaba, nisipara hani, ambasadweri, nuwana mawano tipia, wabana haji. Akari, so tipia rija, amwanao magare na mna zingiza wa yutipia. Kauhamu ya renge waone. Yaukana, yaukatuna mbahabari. Yaukatuna mbahabari, wakuangu wa joe, yaukana, sepanu ki yavantie, sitile makrimineli. Makrimineli, tindasi, makrimineli, doa uwa wanyanyasi wa hafa, doa fungu wanyanyasi, doa torture yo, doa bambu wajo uripwezi itwa eze video ni mafoto nga yao. Monsieur dame, bonjour. Bonjour. Avange, eka... Donc, vous êtes verbalisé et ensuite vous quittez les autres. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de déjà rien du tout. Nous sommes persuadés que. Oui, il doit être à l'intérieur même. Il a été Merci. Il est bon âge. Je viens suivre la conférence de l'économie. Merci.
J'ai bien suivi exactement la conférence de l'économie. Soi-disant, qu'ils disent que... Ah, Hervé Marbeau, monsieur, non, c'est bon. Moi, j'ai voulu lui répondre une seule question. On est dans un pays démocratique comme la France. J'ai vu certains présidents comme Sarkozy, comme François Hollande, des premiers ministres, qu'ils étions balancés de la farine des œufs. Ce n'est pas un crime. L'exemple de la démocratie, on l'apprend ici. La démocratie, c'est de savoir qui a tué qui. Moi, je voudrais répondre au ministre de l'économie. On a eu tellement de frères qui sont morts que jusqu'alors, on n'a jamais eu une justice pour nos frères. On ne sait pas les coupables. Est-ce que tu peux nous donner les coupables qui sont tués à Madagascar? Le commandant Fessoal, le frère Moutu, Salim, notre frère qui est récemment tabassé comme un chien, Bapalé. Personne ne nous dit pas qu'ils étaient assassinés comme des animaux. Jean-Marc, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Et la petite Faina, et notre confrère qu'on l'a tué en prison, M. Soulet. C'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est ça la justice. Mais balancer de la farine, ça fait partie des règles de la démocratie. Donc aujourd'hui, il faut prendre l'exemple. La démocratie, ça s'applique dans des pays comme les États-Unis. On a vu George Bush Junior. Il était un monsieur qui l'a balancé une chaussure. Est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Le crime, c'est ce que vous faites. Que vous avez tué nos frères, que vous avez emprisonné nos frères, à père Abdallah Abdou Hassan, Mohamed Mouana, Saleh Ousmane, Zainouddin, Tahir Minhaj, Nassir Saïd, arbitrairement, puisqu'ils ont réclamé un état de droit. C'est ça le crime. C'est ça le crime. Mais pour envoyer, balancer de la farine, des œufs, ça fait partie des règles. Donc, je vous demande, monsieur le ministre, soi-disant ministre, puisque vous êtes légitime dans le poste où vous êtes, si vous avez des leçons à donner aux gens, donnez-vous vos leçons vous-même d'abord, d'être démocrate, d'être des hommes sincères, d'être des hommes honnêtes, arrêtez de piller nos richesses dans notre pays, arrêtez de tuer, de torturer, d'assassiner nos frères d'abord. Donc les leçons, il faut que vous vous donnez vous-même d'abord. Merci. Pour moi, j'ai un petit mot à ajouter là. Wakomori mrangali yao do kanga mona o yoka police ici et jai zigiza yoke tura bahadar. Et mima aturi lo banu. Do ubeha message yao kana o anduari ulilio na nyas. Simple message. Et vu la mondialisation, tout le monde doit savoir qu'on est prêt à mourir, mais on est venu pacifiquement. Dire pourquoi vous avez tué nos frères. Pourquoi vous avez emprisonné nos frères pour rien. Voilà, c'est ça ce qui nous a fait venir ici. Donc j'aurais aimé que la France, pays de droit, de démocratie, arrête ces gens de criminels. Parce que vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Afrique. Tout le monde le sait. Il sait ce que ce monsieur a fait. Et c'est la raison pour laquelle on est venu ici filmer, montrer que si vous avez tué nos frères, il y a les photos dans nos téléphones, vous pouvez les voir. Et ça nous fait mal de vous voir sécuriser ce genre de criminels. Normalement, vous devez les arrêter immédiatement. On dit frère, oui. On dit qu'Azali est à l'intérieur. C'est bon ou pas? Bien sûr, c'est important, parce qu'on pose tout à l'heure la question. Le criminel, il fallait dire qu'il est là, et il sait très bien ce qu'il a fait, c'est pourquoi il a fait. Si vous avez vu la vidéo d'hier à l'aéroport, ils ne sont pas sortis, sauf que tout le monde se dispersait pour qu'ils soient à tout le sol. Il était à l'intérieur. Ce qu'ils ont fait, nos frères. Mais comme souvent, ça c'est honteux. Ils envoient des gens pour faire la filature, pour essayer de guetter. Ce qu'ils disaient des criminels comme ça, des criminels, mais là c'est pas comme ça. C'est pas ici. Ils ont envoyé. Leur place est. Leurs émissaires pour qu'ils puissent voir s'il y a un Comorien comme eux dans les environs. Nous, on l'a constaté depuis tout à l'heure.
ils ont envoyé, comment on appelle, ceux qui font les ménages dans l'immeuble, mon cher ami, c'est eux qui ont guetté, ils nous ont repéré à la sortie du métro Porto Dauphine. Et à partir de là, la voiture, il est dans cet espace-là où il y a la voiture du policier, c'est là où il y avait la voiture du dictateur. En arrivant ici, ni vu ni connu, il s'est échappé. Pourquoi il s'est échappé? Parce qu'on sait très bien, il y a un document officiel que le président Macron, élu démocratiquement en France, il ne l'a pas invité à la conférence dont il a invité les présidents, les dictateurs africains. Azali n'a pas été convié. Il a demandé une dérogation d'être convié à cette conférence. Cet repêchage a été validé le vendredi 14 mai 2021. À 16h45, et Azali est arrivé en France sans qu'il y ait le moindre prise en charge au sein du gouvernement français. Mais comme le président français est toujours un homme tolérant, il a accepté de passer son séjour en France. Au jour d'aujourd'hui, la conférence est commencée. Azali n'apparaît même pas dans les dates de discussion. Demain, il ne sera pas là. Là, c'est un problème, qui salit notre pays. C'est un problème qui dénigre notre pays. C'est pour ça qu'il a pris la fuite. Pour dire à ceux qui venaient d'arriver, qui ne savaient pas ce qui s'est passé, il a été logé hier, mais il a été délogé par l'hôtel qui l'ont logé, parce qu'il n'y a pas de charge. Quel message tu donnes aux commandants de l'intérieur? Quel espoir tu leur portes, s'il te plaît? Le message que donne aux commandants de l'intérieur, je vais le dire en commandant. Bon, messieurs, dames, vous allez quitter les lieux également, ils ont été verbalisés. Donc, on va vous demander de couper vos caméras et ensuite de quitter les lieux. N'ayez pas peur d'Azali, n'ayez pas peur des armes. Monsieur, on va finir votre discours. On vous remercie. Merci beaucoup. Par contre, on a besoin de signaler. Monsieur, on a besoin de signaler que le dictateur putschiste Assoumani Gazi, il n'a jamais été invité sur la carte. Ça, c'est comme il a eu rohé. On a regardé des cas d'un des arbres de contrôle. On dit qu'il y a un problème. J'ai un milliard de rohé. Il quitte un mois et on m'a mis le houlou. Maintenant, on va revenir à Kartinahila. On dit qu'on a un état de droit. On s'est rendu à la carte de rohé. On a un dîner. Il y a des choses qui se passent, les policiers savent, les messagers sont ici. Il y a des démocraties, les policiers doivent regarder les identités, les contrôles, les renouvelables, les renouvelables. Il y a des choses qui sont Ola Azali are mebio hanja shomani. Lewo, liwa parisa. Liwa parisa wede wajia shomani. Mwananja sabudu, tomna mesaj wambi polisi manawa izo warujisa, izo warambia ne mana wambareza. Kutabariri wambareza. Ye polisi wajabanu, wajawa warujisa, ibanga psawe nini. Liweleza zihabari, kaundo zaribi habanu. Badabura weleza zihabari zaribi habanu. Wari amrisha ukaya, ngena mhima hamade na mnamdiyo. Mwambe zihabari mwanzo mwambe. Mzambi haluga, ikaunga rchowe lewa. Nudi hazi mzambi heluga ya hanyu mbehe mesaj wari menti hanyu. Garimini kaoni dakika mekomera hu. Kufanya za nungo za hanyu. Uratimize dakika mekomera za hatu. Warambie za ukaya. Garimisalioni na garimambene za ukaya. Bada makaptina autorizasyo ya udeklare. Madeklare ukanga mjobanu. Gebidiyo, mrejio malahuni hanyu. Haamani, mkabanu. Kabajajiri dega, kabajajiri problemu. Situan wabaya, situan wahila. Rikau jabanu, rejerimu sekurizeni. Rejerimu hifadhwini, batijoju habaya. Kukenge bidiyo, mrejio malahuni hanyu. Haamani, batikatabu. Kwa jayidat sawanu.
waribalia waribe hao oharimwaye namne kaudo par saison bodo joma la hodi abogare mabe no kai wananyasi mloho mala hodi wananyasi mloho masiwadi sike wahara ukawon ti wanwa peu wanwa kawo holewa za sharia holewa haki obamilio ye haki kangi yo harimo wakomori welewa ukaye haki yo harimo wakomori yode mana boko wo mpatu bana atartimize miso haribe habanu ibirindo kabajagiri tabu ribehe masaji azalo wakati kawo wala wandu kawo wa mirowe fanya wo nirjo hamado do laba ani no mezi no tole do tole fitina do tuna wo zajire namna hiyo ziwa wasili je waritowa habanu fatima فاطمة 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 يساعدون هذا المجرم السفاح القاتل عثمان غزالي أبو جابو جابو ناو أبو أكمر يوكايا أنتيا شاريا داينو ريجابانو يفني ميشيا هادو ريبه ميساج ركانداري به البوليس وبلا مغاري كمنا مانغابي ما هو na matanu matiti wakanza warirenge waje warengeze kada ndite za watu azikontrole riwambie messenger lo nio waje wari waje wari wari kontrole riroha waramba renza tu au kakartina hila mgeta sisari roha nifanye misi watu ngarudo za tu abungiavo marhaba menji nyuandu mnangaliyo banu banga nyonji mashallahu nyimandu maribunga banu abungiavo na msane partage video yenu hata emission ya sulio ni vanu balazimu mrudi mu abone e page yanyu yenu baizo timwambia ni kaya rantiti ranku he na barugo julaiya ngardu sana e karzi parisa ngardu mwambia ni hapo na mabone ye page yanyu yenu kaya ye profile normal ya hangu sei jaza wandu ndio kwa invitation ya Mungu hapo hapo na mabone ye page haina jola yanga mtoto wa Paris hapo hapo kari mwambia ni kaya ye samedi 22 reprogramme manifestation a reprogramme grand marche nabo e demande sa rifanya risari hundo confirmation kai sai kubadiwa chara kwa jarere ya rijue rapo jarere ya rajuwe point de départ balakari lo kor par samedi dialu rim abo ntilawe horangalia na mabone ye pajano yenu benu hanyu e banarlo bandanyi abo ngiabo ye message ya tuisere isi Armandia on y a encore. Non, non, police, Karnauri jengoni mpaka zalingulao mpaka rimweza joto ene mnambie ba si one video ya conference ilo chan de mars et ma president piango byabo azali kati yabo nom se yeti mushaka burabi haban tasi haba halalikiwa hundu ebu halalikiwa hundu ye conference ye ngiabo kati yabo emu mono kamja mona akai video yo si partage ye Zabarindi ni ko ngeho bulambasa tihula. Le garla hidi kabala. Le garli roha limbrana tike mdani hula. Yode mane polisi ya jahawu nji. Vala. Wajawari renge. Wajawari hundu kaya siti ma violence. Akolo tihandani. Waparuri renga vala. Rika ngardavi. Wari hundu kaya izora mwambia wa ilewa. Wari wajawa hundu wa basa neka tujuri kaza la javanu. Si umbu skwile. Wajawari kontroli tujuru. Warundu na siya wasi. Wambe ene mwendezani. Banye ti wanduwa hila. Mbaye misi wanyu sayi reisi. Mbaye mahirin zatu. Mbaye mbaye rijipanga na Grand March. Nijoka uka levendo yo samundi. Nari mlalikawu ni hawi nji. Nyondu mlo Marseille. Nyondu mlo... Leni wanu mlio yu hanyo ntipe diaspora ya baraka. Na mgejiriki ye marcha hiyo. Idize, idilie, azali ya unokaya. Unudo mwisu wa hae. Na ye konfirmasyori hundao. Garambilo ukaya azali hajabano ndaina delegasyo ya wandu sita. Abo sabe diri. Ndaina shehane na ne charge de misyo wa hae. Waye charge de presi wa hae. Ne fami hae. Mkini hake karije komori. Mkini hake karije komori. Ukaya hangu ono kaya. Wanda kazari kaza. Rimdungu karjamba nafasi. Abungi abo gari mambia unu kaya. Sisi. Nyezi mbungura niyo.
nyezi mguguri saidiyo au kayari bali ya mwema kartina utovu adabu karjaporo da mndu shangara nzao emasiwa ya hatu ya kena mwenje ya kena unono ya kena nzia ya kena shahula abake hazi izo deze principu ntanu za anti azali renzi ya haja azali 1 azali 2 azali 3 embandogo ya rinikayo de krim lubiho wandu nufungo wandu bata wala ndu wafungo kwa tuto nukambendu hala Changu wala dhimisha uze famiwa do pashabula wewerea, weliwa wari malamanda, hata eni ya hospitalize, ngoblijewa. Ya doli beshambro, ya rada doli vai ya magardie wa mgardi yao. Abu gyabo, nukwama nizo, nizo dezari tukia nasi, nazali. Shama nu mwanadamu, karisi tu mnyenga, bari habarije mwanadamu, shanga renga uze tuabia. Abu gyabo, mwananjasi bakari ntujo kwa honu bandu kwa nzuwa bima. Kuturungwale rwao. Abu gyabo, Gari mnikao nukaya tasiri sari rohanga redoza tuwa usalama. Rija usalama nga roha usalama. Donku warengeze kata nditeza hatu wazi anjistere warenge wari nikao renebanya mwende zani. Abungi yabo, gari mnikao ni bahati na unono na maisha insha Allah utala na mdori kuraje basi si wana message wanzi wao na wandu wa hee gozidi warimaze Facebook hizo bengi waripuwaze nkonzewe hansi wanzi kazi nati topu habari habarije wamba ukana mpuweze nkonze kazi nati topu. Abungi yabo, na wambe, zwajo kanza wambe, shaimi emisyo ya hatu, nga sisule teren, nga rtabu hao, lasina guvernoma ya kwanzima inu, karitina haja nao. Mungi yavo, lazimari mnike ni ushindi kaya azali wa muhawahi daunu, 2026 lazima sekwanti. Na yavo deja, risari previ avionraru, ho wandu wa janziha. Wandu wa janziha mga wo isabu ya avionraru, Gardu jarifanya manifestasyo ranzi haha ya hoteli haha ya atarasili moroni kama nasi kartu ta karena orang autorisasyo au kamdu orang autorisasyo ar matirkan kama si sirkan abang yabo yodensi hatu sont kono shinde rizike karija abang yabo ndadi ngau toa ye kamja ye kamja ye kamja sa singari jao loven si sa singari jao abang yeni zong bangazi umbao shangari jao abang yabo garim nikao nyukaya aina jokanga zero hao lazima rodomo mbiani ngabo na mwabone ye pashyanyu inu bahina zijo huja pia ngari mwambiaoni ngari mweleshaoni haina zokanga zila wao na ngura ntiti lazima rizambe ngabo ngasi kuna ambasada kwa mwuri sari roha abanga rendao wanu kodwa finu owaheme gari ngwa jupashe magari wande zao owaheme tronga jorenge linyido wajihunde pari wakama ngasi pari tojo Wanunga Port Dauphine, ni onde universite de Port Dauphine, na babari na. Aungi yabo, lazima rimambieni, ya ukaya, karja siwa, karja lala, karja dekurajeha, bata ulamana mshe Fatima, rakandasina ya, rakasina utere, ya rengwa jana, kangardavi, kisha tujuri rakandasina ibanu. Aungi yabo, nisunga ngasima, determine, kartura mba mru, aungi yabo, muniri, homjini mwaja. Tiwone video ya kahitua yabo, ya mba, wandu waka hajana, wala waka helea, mdeseya kahelea ndaye ate mwanae dahoni, hela farinila. Shahunu sepermi, mono makufuli, zendugu yafanyi wazo, nemsi ya hao, haholelo wana wankuhu, devan ya he conference, haholelo wana wankuhu, haremanganu, yo sepermi. Mgiyabo, nyimbingu haba kayawala ripashe, ripashe, inu droa, droa, droa. Gia azali wa irim Paris atoju mholelenga nyoranzi dezandani azali wa hier toju mholelenga nuranzi abangiabo siri la haurudi ukaya tula haurudi wode jokahufa esha jokofanda abangiabo zembanari fanyo zinu zinu za za hatunda sina nyi abangiabo namkemakini bakarti wahara gardu wasili nyi marizaya rimasili na muono insha Allah taala mjemru mjemunde marunda ya heze mbanari ziwa nao Abungi yabo, ngasibanu, karjale mea olaka nuporo lemeo. Karjale mea olaka nuporo lemeo. Abungi yabo, lazimani mwone seni, ukaya ngasi Port Dauphine, University ya Port Dauphine saila bala. Abungi yabo, Sasa ingasibanu, namkena
J'avais beaucoup de monde qui me suit là, ouais. C'est très bien. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il faut. Je vais vous montrer ce qu'il faut. Je vais vous montrer ce qu'il faut.